anyways, y'all try to film. Yeah, made it through the rainy days, just for the film. Yeah, BB's on a nigga wrist, I just lay down. Yeah, that bitch, she gon' break my heart, then show me love. Yeah, that bitch better play a part, compass the show. All these demons in my head, damn, I'm trying on. Paranoia in my head, so I'm always a guard. That bitch wanna break my heart and show me love. Nah, 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 that's not how we gon' do it. The whole dog. Ain't it crazy how I'm feeling down? My money, yo. I riding with a Louis bag. The pistol toe, the pistol toe. I don't give a fuck. I done made a half a mil. Surf on my dough. Yeah, my bitch love the way she walk. I give her everything. That nigga's always gonna talk. Don't wanna do anything. I just do my thing. And niggas mad. I've been chillin' with your shawty. Yeah, she call me dad. Yeah, that bitch, she gon' fuck the gang. Put that on cam. Yeah, chop on me anyways. Don't try to film. Say you wanna be my bae. Yeah, if you stay, yeah. Keep that chop on my waist. Might hit your face, yeah. Pull that chopper from my waist. Then I up it to your face. Niggas say we came up from the same. Yeah, that bitch, she gon' break my heart. Then show me love. Yeah, that bitch better play a part. Come push the show. All these demons in my head. Damn, I'm trying to. That bitch wanna break my heart and show me love. Nah, 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 that's not how we gon' do it. The whole dough. Ain't it crazy how I'm feeling down? My money, yo. I riding with a Louis bag. The pistol tucked. Les gars, je sais que c'est un moment qui est compliqué, mais cet hiver, il y aura quasiment plus de vidéos, tout simplement parce que je change de moto. Elles sont en vente. Et ça va être du lourd en 2022, franchement, ça va être fou. Après, en vrai, je suis enrhumé de ouf, je sais. En vrai de vrai, en 2022, ça va être ouf, mais... vendre mes deux motos avec lesquelles j'ai progressé, même si bon, à mes deux derniers roulages, comme vous pouvez le voir là dans le début de la vidéo, c'est mes deux derniers roulages et j'avais pas un super bon niveau quoi, mais j'ai quand même bien progressé et ça faisait quand même longtemps que j'avais ces deux mêmes motos. Donc l'année prochaine, pour vous, je change. Ça va être un gros truc de malade. Là, je suis en train de faire le montage de la vidéo que vous regardez. Et voilà. Après, je vais vous parler tout simplement des projets qui vont arriver sur la chaîne que je vais faire cet hiver et en 2022. Donc déjà, la semaine prochaine, je vais au Supercross de Paris. Et ça va être vraiment un gros truc de ouf. Tout simplement parce que je vais interviewer des pilotes. Je vais vous faire une énorme vidéo, un gros projet là-bas qui se fait la semaine prochaine. Ensuite, le samedi 18 décembre, il y a le premier épisode de la série MX Life qui va sortir. Et ensuite, ça va s'enchaîner tous les 2, 3, 4 jours parce que fallait que je varie à peu près pendant les vacances de Noël, mais pas que ça soit le jour du réveillon, tu vois, parce que sinon je vais faire zéro vue. C'est normal, ça me semble logique. Et voilà, après la série, en 2022, nouvelle moto. Donc je vais faire tout le championnat de Ligue du Centre. Je dis pas la catégorie. Donc je vais me faire défoncer. Là par contre, déjà qu'en 85, donc dans la catégorie que je vais faire, bah, je suis mort. Je vais faire la Rookies Cup, je vais faire des trucs comme ça. Mais en tout cas, le championnat de Ligue du Centre, je vais le faire en entier, genre toutes les courses, je vais y participer. Et ensuite, je vais faire la Rookies, peut-être le Kenny Festival, je ne sais pas encore. Je vais vous faire plein de grosses vidéos d'entraînement et des projets qui arrivent, par exemple, avec des potes, des Game of Bike et plein d'autres trucs comme ça. Donc voilà, dans tous les cas, 2022, ça va vraiment être ouf. Je suis trop pressé et je pense que vous aussi. Il y a plein de gros projets qui arrivent. Il y a ma première vidéo sponsorisée où je vais nettoyer ma nouvelle moto, où je vais la préparer, qui va sortir juste après le dernier épisode de la série MX Life. Et voilà quoi.
J'ai pas d'autres mots. 2022, ça va être une tuerie. Ça fait 2 ans que je dis ça. 2021, c'était beaucoup mieux que 2020, hein, clairement. Déjà niveau entraînement, compétition et surtout niveau vidéo, j'ai fait des très belles vidéos en 2021, j'en suis très content. Et aussi, j'ai quand même pas mal progressé. On va pas parler des courses parce qu'en course, je sais pas pourquoi, je roule beaucoup moins bien en course qu'en entraînement. Et, mais en, niveau entraînement, franchement, je suis trop content de moi, j'ai grave progressé. Et puis, bah, vraiment être fun. En tout cas, à rouler, à vous faire les vidéos, tout ça. Je suis très pressé. Et voilà, c'est la fin avec mes 85. Mais bon, je pense que vous allez pas être déçus parce que ce qui va arriver, ça va être lourd. Mais très, 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 très lourd. Après, c'est aussi compliqué. On va parler de la série maintenant. C'est très, très, très compliqué de faire une série. Simplement parce que faut des potes à toi qui soient d'accord pour passer dans la vidéo. Faut avoir des bons plans, un bon logiciel de montage. Faut avoir un bon logiciel de montage. Faut avoir un bon scénario, un truc attractif et tout. Et moi, pour la saison 1 de Mix Life, j'ai énormément galéré à avoir tout ça. Et voilà, parce que par exemple, le premier épisode est très bien, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais, tu vois, il n'y a pas vraiment trop d'action, c'est une mise en scène un peu. Tu vois, tu rentres, t'es au courant de rien, tu te mets dans le film, tu te mets dans le jus, un peu au fur et à mesure. Par contre, épisode 2, un gros truc de ouf, épisode 3, pas trop mal, épisode 4, tu vois, c'est très compliqué. De faire un truc très attractif à tous les épisodes et tout ça, donc voilà. Mais en tout cas, la série, je suis rendu au 3-4ème épisode sur 5 ou 6, et j'ai pris énormément de plaisir à la tourner, c'est super cool. Et voilà quoi. On se retrouve la semaine prochaine au Supercross de Paris. If I'm being honest, loving you the hardest thing to do, so I keep to myself. I feel like I'm falling in and out of consciousness. Yeah. Now we're starting to talk less, killing all the progress. Really hard to process, you treat me like an object. Baby, we toxic, can't we stay on topic? I feel like we lost it, feel like we lost it. Take my love, don't waste it. Even though I don't mind waiting. Latest my mind racing. What else I have to do, girl, to praise me? What you